Swap d'un, je suis là, pétain. C'est bon. Parce que vous avez un bouton. Vous avez un bouton. Ok. Qui était le premier roi d'Israël et sa relation avec le roi Salomon? Saül, ok, c'était Saül. Là, question ça, parce que dans ça, est-ce que nous dégontif le soleil, est-ce que, et au moins de qui est-ce que tu es le premier roi d'Israël, est-ce que c'est avant la disparition, mais après? Parce que avant, c'est Jéroboam. Après, il y a une bombe de nom là encore. C'est Jéroboam et Roboam. C'est ça? Ah, c'est ça. Je vais passer, moi, confusion. Je vais considérer, ok, je vais peut-être dire pour que ça change. Ça veut dire, moi, après, je vais dire. Si c'est après, c'est Saül. Si c'est avant, c'est Saül. Et... Ouais, ça après le schisme, tu veux dire. Après le schisme, c'est ça. Si c'est après, il y a une confusion. Bon. Qu'on y a là, il y a nos deux voix. Vous avez dit de me corriger une et puis vous allez me corriger là quand même. Ok. Bon. Pour deux voix, les mêmes. Première question que tu as posée, non? Questionnaire d'évaluation économique et théologique, choisissez la bonne réponse. Après la mort, il existe les lieux suivants dans l'éternité. Petit A, le ciel, l'enfer, le purgatoire. Petit B, le ciel et l'enfer. Petit C, le ciel et le purgatoire. Petit D, l'enfer et le purgatoire. Le ciel et l'enfer. Okay? Le ciel et l'enfer. Numéro 2, nous avons un seul Dieu en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Petit A. Petit B, Jésus-Christ, le Fils et le Saint-Esprit. Petit C, le Père, le Saint-Esprit et l'Esprit de la vérité. Sur ces petits A, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Numéro 3. Tu vois, qui est le Saint-Esprit? Jean 14, Jean 15, Jean 16, chapitre 1 Corinthiens 12, 4 à 11. Et puis, réponse là, le Saint-Esprit, petit A, est un souffle. Non. Petit B, une force de la nature. Petit C, un vent puissant. Petit D, le Saint-Esprit, Dieu ou Jésus-Christ. Petit Dieu ou Jésus-Christ. C'est Dieu. Jésus-Christ, Dieu, mais pas. Vous voyez ça? Ouais. Vous demandez. Parce que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu. Vous cabez, il y a un peu. Un truc que vous bloquez, lui. Ok, Saint-Esprit, Jésus-Christ, Dieu, c'est un bail. On a pas que je le vois. Vous demandez qu'un président se dessine. Qui est le Saint-Esprit selon Jean 14, Jean 15, Jean 7. Ok. Quel deux voix? Un, deux, un. Oui, deux voix. Un, deux voix, tu fais 22 juin. Ok. Troisième question dit qui est le Saint-Esprit? Alors, selon Jean 14, Jean 15, Jean 16, 1 Corinthiens 12, 4 à 11. Regardez, nous dit petit A, réponse là, dit son souffle. Deuxièmement, une force de la nature. Troisièmement, un vent puissant. Quatrièmement, Dieu ou Jésus-Christ. Ok? Donc, c'est petit D, Dieu ou Jésus-Christ. Parce que Saint-Esprit égale à Jésus-Christ. Saint-Esprit égale à Jésus-Christ. Mais c'est pas. Je ne vais pas demander c'est qui. Je ne vais pas demander c'est qui. Je ne sais pas, par exemple, tu fais la relation. Dieu, Jésus, tu veux te demander quelle est la relation du Saint-Esprit à Dieu et à Jésus. Mais c'est pas qui, c'est qui, on pose la question qui, c'est personnel. C'est pas en relation avec Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est qui? C'est pas une chose, c'est qui? Oui, c'est ça. Ça dit, c'est qui? C'est qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est qui ça, le Saint-Esprit? Non, mais je ne peux pas définir le Saint-Esprit par Dieu. Oui, parce que le Saint-Esprit, c'est... Il y a une relation entre Dieu et le Saint-Esprit, donc... Ok. Bon, c'est ça que je vais vous démontrer là, ok? Ouais. Jean 14, quand on dit Jean 14, Jean 15, Jean 16, c'est là que ce sont trois chapitres. Et Jean 14, exemple, nous allons parler tout le chapitre Jean 14, je vais vous répondre. Verset clé.
Jean 14, verset 16, par exemple. Qui dit, alors Jésus-Christ, qui parle, et moi je prie le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit vient, il demeure éternellement. Ok? C'est-à-dire que le Saint-Esprit est éternel. Maintenant, verset 23 dans ce même chapitre, Jean 14, qui dit, Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. So, maintenant, dans Jean 14, verset 16, Saint-Esprit a envie de demeurer éternellement dans vous. Et puisqu'on a mes paroles là, Dieu vient habiter dans vous. Et Jésus-Christ vient habiter dans vous. Combien de monde est dans vous là? Et pas qu'il y a trois dieux. Ok, ça c'est bon. Et Jean 15. C'est là, il y a une démarcation qui a été.